On s'est dit, ben pourquoi on n'irait pas fouiller dans nos mémoires respectives à nous deux, créateurs, pour faire une série d'œuvres en lien avec, cette fois-ci, nos enfants, c'est nous. On essaie aussi de se concentrer sur les moments de nos vies qui nous auraient menés à devenir des artistes aujourd'hui. Pinocchio, la petite marionnette qui s'anime, ça c'est formidable. Ça a toujours été une histoire qui était très importante pour moi. Cette fascination pour l'objet qui peut s'animer. J'ai réalisé dans le fond que moi aussi, j'avais beaucoup joué avec des marionnettes quand j'étais jeune. On est devenu, Gatin-moi, des Geppetto. Tout ce genre de travail-là, manuel, j'y prenais vraiment un grand plaisir. Puis c'est peut-être, dans le fond, ce qui me reste de plus de mon enfance, c'est ce plaisir du travail manuel. Nos deux mères sont décédées et nos deux pères ont des problèmes cognitifs. C'est un élément ça, qui nous a poussés à faire ce travail-là. La notion de mémoire, c'est le cœur de notre travail. Là. J'ai le goût que ça évoque des beaux souvenirs aux gens. J'ai le goût, je dirais, de laisser une trace.